Vous écoutez, c'est effrayant. La télévision, c'est beaucoup mieux la radio. Salut les amis, ici votre ami Diallo pour un autre profil rock, hein? Et cette semaine, on va parler d'un genre de musique là, qui fait peut-être rire de lui, mais qui est quand même très populaire au Québec, hein? Et à ce niveau-là, je sais de quoi je parle, hein? Il s'agit du western. Et on a avec nous, là, un des gros noms du western au Québec, Marcel Côté. Marcel, tu es un des pionniers du western ici, là. Comment t'as commencé? Est-ce qu'il y a eu des débuts ou... Oui, il y a eu des débuts. Disons que j'ai eu ma première guitare à 7 ans, mais ça a pris 2 ans avant que je mette des cordes dessus. Donc, t'as commencé à 9 ans, hein? À cette époque-là, oui. Maintenant, avec le système métrique, ce serait différent quand même. OK. Donc, t'es assez jeune pour ton âge, là? Hein? Je pense que oui. OK. Puis maintenant, là, t'es rendu à combien de disques, là, sur le marché? Bien là, la semaine prochaine, je vais lancer mon 36e album. Mais sur le marché, ça va être le 12e, par exemple. OK. Mais on sait que la musique country, là, c'est assez simple quand même. C'est pas mal toujours les trois mêmes accords, là. Oui, mais c'est jamais dans le même ordre, quand même. Bien, côté paroles, là, c'est quoi les thèmes que tu utilises pour tes chansons? Bien, écoute, je parle du quotidien, principalement, des choses qui touchent les gens. Comme je peux aussi bien faire une chanson sur un châssis double qu'un changement d'huile. Ce que je sais, moi, ça dépend comment je filme. Mais je fais surtout des chansons d'amour. Et c'est important pour toi? Bien... Comme tu dis si bien, oui, je pense que si j'avais pas ma femme, je serais encore célibataire, moi. Eh bien, c'est tout un témoignage, hein? Mais est-ce que vous avez des enfants, une famille, quelque chose? Je pense que oui, on a un petit garçon de 5 ans, puis un autre enfant, là, de 3 ans. Donc, sans plus à la garantie? Non, c'est de valeur. Hein? Puis est-ce que c'est un garçon ou une fille? Ou... Bien, celui de 5 ans, c'est un garçon, mais l'autre, à cet âge-là, c'est dur à dire. OK. Marcel, on sait là, que dans le country, il y a souvent des vedettes qui font des chansons en duo avec quelqu'un d'autre. Là. C'est des hein? choses qui arrivent. OK. Puis toi, est-ce que tu as des projets dans ce sens-là? Ou Bien, pas vraiment. Master, t'en parles. Disons que j'aimerais peut-être ça, faire une chanson en duo avec Dolly Parton. Là. Il me semble qu'on ferait une bonne paire ensemble. Seigneur, ça va être laid, mais que je chante tantôt. Mais j'ose pas y demander, je trouve que ça fait un peu têtu quand même. Mais elle chante en anglais. Oui, mais elle pourrait juste faire des la-la-la en arrière, tu sais, quand même. Il y a moyen de s'arranger. OK. Mais si jamais là, elle nous écoute et qu'elle est intéressée, est-ce qu'elle peut te rejoindre facilement? Oui, elle peut m'appeler chez moi, mais qu'elle laisse sonner longtemps, parce que je travaille à l'extérieur de la maison assez souvent. OK. Maintenant, Marcel, là, tu vas nous faire une des chansons de ton dernier album. Je pense que oui. Peux-tu nous en parler un petit peu, là? Bien, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est sur le deuxième bord, le deuxième côté. C'est la troisième. Alors, vu qu'il y en a 5, elle se trouve être juste dans le milieu, donc elle est facile à trouver. Et elle dure 1 minute 47 environ. Eh bien, ça sera le fun de l'entendre, hein? Oui. Est-ce que t'as amené le disque? Non, malheureusement, mais j'ai ma guitare, je peux la chanter. OK, bon ben, tant qu'à être mal pris, hein? Alors, si tu veux bien prendre la place, hein? Merci beaucoup. Eh bien, c'est une chanson qui commence comme ceci, mais qui finit différemment. Alors, vous êtes prêts, les gars? 1, 2, 3, 4, go! J'avais 15 ans quand j'ai quitté mes parents. J'en ai planté des grilles. Bonne maman, c'est ton fils qui te parle. Est-ce que j'ai reçu
reçu quelque chose par la malle. Je mets même ce soir, si j'ai encore mal aux dents, je pense à vous, mes bons parents. C'est bon, hein? Tu l'as le trémolo, hein? Ah, ça s'achète pas. Eh bien, en terminant, là, peut-être t'as peut-être des projets pour cet été, peut-être, là? Bien, disons que je vais probablement faire les foins, mais peut-être aussi quelques spectacles. Eh bien, on te souhaite de réussir quand même, hein? Bien, ça va très bien. Il y a quand même très large public qui me suit, qui me sont fidèles. D'ailleurs, les gens me reconnaissent sur la rue. Ben, je comprends. Bien de même, t'es facile à reconnaître, hein? Non, mais je traîne pas ma guitare sur la rue, quand même. Eh bien, je te remercie, Marcel. C'est tout. Alors, on vous souhaite à bientôt, à la semaine prochaine, pour le dernier Buffalo Rock. C'est Jello qui vous dit. We'll be right back.